Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire un tirage à choix spécial fin donc du mois d'octobre qui va s'approcher du coup de Halloween et voilà Samayan pour les personnes qui voilà qui sont là-dedans. Pour celles et ceux qui bon croient très vaguement à toutes ces choses-là ou pas du tout. Là voilà on va voir le message des ancêtres pour voir un petit peu qu'est-ce que là-haut en tout cas voilà en fonction de ce en quoi vous croyez des messages que je peux relayer pour pouvoir peut-être vous donner des indications sur certains aspects de vos vies. Voilà comme toujours prenez ce qui résonne avec vous. La minuterie sera juste en dessous dans la barre d'information. Nous avons ici le bracelet œil du tigre, bracelet améthyste, bracelet aventurine et ce sont des bracelets du coup que je propose sur ma chaîne, oui, enfin sur ma boutique en ligne plutôt avec des pierres naturelles donc du coup qui bah si ça résonne avec vous peut-être vous aideront avec voilà les vertus lithothérapie des pierres si vous voulez jeter un coup d'œil. Voilà, bah, je vous laisserai le faire. Moi, je vais. Non, c'est pas ça qu'on va faire. On va juste bouger ça. Sinon, je vais me perdre. Je vais me mélanger les pinceaux. Je vais commencer sans plus tarder avec les personnes qui sont attirées par l'œil du tigre. Alors, qu'est-ce que les ancêtres ont à dire? Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre en cette fin de mois d'octobre? On vous parle de commencement. Donc déjà, on vous explique, vous, que vous êtes en train d'écrire une nouvelle page, mais dans le sens où je pense que vous êtes en train de vous éloigner peut-être de certains schémas répétitifs que vous avez vécu dans votre famille ou tout simplement, voilà, dans peut-être de vie antérieure pour les personnes qui croient ce genre de choses. En tout cas, on vous propose ici de voir tout ce qui va pouvoir s'offrir à vous à partir de la transition, donc de cette fin de mois d'octobre pour novembre, avec une notion de pouvoir être pleinement au final dans une découverte ou une redécouverte de vos capacités, peut-être au niveau de certaines de vos facultés psychiques, peut-être pour certaines personnes, ou tout du moins de façon plus simple, on va nous parler ici de pouvoir vraiment s'autoriser à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Mais j'ai l'impression, en n'ayant plus à porter tout le poids de son passé avec soi, il y a un peu une idée de s'alléger, de vouloir un petit peu prendre de la hauteur, de s'alléger, de pouvoir faire aussi très concrètement. Puis la période est assez propice à ça, au deuil. S'il y a des deuils qui n'ont pas été faits, qui ont été mal faits, qui n'ont pas été digérés, si on n'a pas réussi à tourner la page, qu'on est dans une forme de mélancolie, là il est peut-être temps de faire peut-être symboliquement quelque chose qui vous permette de couper et de faire une césure et une coupure nette avec le passé pour ne plus vous le trimballer avec vous partout où vous allez. Peut-être que vous serez réceptif au nettoyage énergétique de type nettoyage des lignées familiales, je propose ça si ça vous intéresse. Peut-être que vous, ça pourrait être un bon tremplin pour pouvoir vraiment vous libérer peut-être de secrets familiaux ou de choses du voilà de votre passé, de cette vie ou d'autres vies qui vous empêchent vraiment de pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases en fait, hein. Au niveau des cartes, être équitable. Donc voilà, on insiste bien sur la notion là pour moi de karma, flexibilité et aller loin. Donc j'ai l'impression que ce qu'on a envie de vous transmettre comme message, notamment si ce sont donc du coup des personnes de votre lignée ou des gens voilà qui ne sont plus de ce monde, voilà, qui sont peut-être vraiment des ancêtres lointains. On vous dit ici de pouvoir vous autoriser à amorcer ce renouveau. On vous le suggère fortement. Donc, si vous me regardez, que vous avez envie de planifier un départ à l'étranger, de changer de voie ou de vouloir reconstruire une autre vie avec peut-être voilà, d'autres paramètres et de changer vraiment fondamentalement des choses dans votre quotidien, on vous invite à le faire ici. On vous dit que tant que vous faites les choses de façon, on va dire, consciente et de façon juste pour vous et les autres, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ici, vous ne le verrez peut-être pas, mais il me semble, oui, cet œuf, notre œuf revient. L'œuf qui était dans la balance se retrouve planté dans le sol et on voit qu'il y a un personnage qui arrive à pouvoir être dessus sans le briser. Donc on vous dit vraiment que vous, l'adaptabilité et vous autoriser à justement aller vers quelque chose de différent va vous être bénéfique. Donc vous, on vous invite vraiment à entamer un nouveau départ, de prendre de vos dispositions pour vraiment faire les changements que vous avez envie de faire, en fait, qui s'imposent à vous. Là, pour moi, on est en train d'atteindre la ligne d'arrivée et on nous parle de devoir transitionner vers une autre vie, en fait. Vous, on nous parle vraiment de changer de vie, vraiment. Il y a quelque chose comme ça ici, hein.
de vous autoriser là à faire le grand saut et à vraiment changer radicalement certaines choses, notamment si vous vous rendez compte en observant vos proches ou vos expériences aussi passées, peut-être un peu malheureuses, de prendre conscience de ce qui se répète pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, quoi. Ok, on va voir en complément qu'est-ce que les ancêtres, qu'est-ce que les personnes là-haut là qui pourraient être en résonance avec vous pourraient transmettre. Qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être que pour certaines personnes, vous avez aussi payé vos dettes karmiques, entre guillemets, c'est bon, vous avez payé l'addition, maintenant vous pouvez vous autoriser autre chose. Ouais, ça, les cartes vont dans ce sens ici. Il y a une idée d'équité. Peut-être que vous avez eu tendance à être écrasé ou peut-être à écraser un peu trop les autres ou vouloir trop avoir une espèce d'emprise et de domination sur les autres. Et au final, je pense que vous avez peut-être compris, ou en tout cas ce qu'on a envie de vous dire, c'est que c'est pas en usant de force et un petit peu d'une forme d'intimidation que vous parviendrez à vos fins. Et c'est pas en vous laissant écraser peut-être par quelqu'un qui fait ça que vous allez pouvoir au final vous sentir épanoui. Donc là, on vous dit vraiment de retrouver votre pouvoir personnel. Pour moi, vous avez probablement, et vous êtes quelqu'un qui a un gros potentiel de réalisation, notamment au niveau financier, mais qui peut-être n'a jamais osé passer le pas, n'a jamais osé tenter pouvoir quelque part dépasser un petit peu le statut familial. Peut-être que si vous avez eu une famille qui est, voilà, qui vient d'un milieu, que vous venez d'un milieu modeste, pour le dire autrement, de se dire j'ai pas le droit de pouvoir prétendre à plus que ce que eux ont pu créer dans leur vie. Ou à contrario, si vous êtes quelqu'un qui vient d'un milieu aisé et qui avait des aspirations beaucoup moins, on va dire, poussées et on va dire flamboyante que ce que vos proches ou vos parents voudraient pour vous et que vous aspirez à autre chose, c'est de pouvoir assumer de ne pas vouloir rentrer un petit peu dans le moule dans lequel on voudrait vous faire rentrer en fait. Voilà, on vous dit d'aller vers votre destinée, vous, on vous dit foncez. Foncez vers ce qui vous fait vraiment envie. Et parfois, on est obligé parfois de prendre des détours pour arriver à destination, mais l'important. Ah, il y en avait une qui se cachait en dessous. Ça pourrait aussi nous parler d'un nouveau départ amoureux. Peut-être de s'autoriser à refaire sa vie après une rupture, après un deuil, ce que je ne vous souhaite pas, si vous avez perdu la personne avec qui vous viviez et que du coup, là, on vous propose de. Là, on vous dit autorisez-vous à pouvoir recevoir tout ce que vous êtes capable de créer, en fait. C'est une chose de pouvoir créer, c'est une chose de pouvoir s'autoriser à le partager et de pouvoir en recevoir les fruits de son travail. Donc là, on vous dit vraiment, croyez en vous, foncez. Ne réfléchissez plus à ce qui n'a pas fonctionné. Prenez vraiment note du passé, mais là, on vous dit, allez de l'avant. Là, il n'est plus question de rester dans des énergies noires, dans des énergies sombres. Là, on vous dit vraiment de renaître et de pouvoir vous autoriser à avoir une vie qui vous ressemble. Et on nous parle soit de partenariat professionnel ici, soit vraiment de pouvoir s'autoriser à pleinement vivre une relation qu'on ne s'autorisait pas à vivre jusqu'à présent. Donc, en gros, là-haut, ils vous disent, foncez, allez-y, vous êtes sur le bon chemin. Chant et danse, voilà, on vous dit vraiment de profiter de la vie, vous. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Alors là, c'est pas forcément des capacités médiumniques pour tout le monde, mais c'est de s'autoriser à juste vivre et se ressentir vivre, se ressentir vivant en fait, se sentir vivant. Soutien, votre intention vous soutient pleinement. Donc là, j'ai l'impression que c'est là où on vous dit qu'en plus, là où on. Comme ça. Foncez, continuez, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction. C'est pas le moment de faire marche arrière ici. Hein. Surtout pas, ça serait pas vous rendre service que de vouloir rétro-pédaler. Au contraire, on vous dit ici, allez de l'avant, foncez, vous tenez le bon bout. Il y a beaucoup de bien-être et de satisfaction à la clé si vous vous autorisez à briser avec des vieux schémas. Changer au niveau karmique, payer vos dettes ou si vous les avez déjà payées, de pouvoir vous autoriser à créer autre chose maintenant. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Je me dis, est-ce que je pourrais vous rajouter un message complémentaire? Non, mais je crois vraiment que là, c'est limpide, j'ai dit l'essentiel. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme toujours. Si vous souhaitez me contacter, ça sera avec plaisir que je vous répondrai si je peux vous aider. Et sur ce, je m'attaque au.
bracelet améthyste, pour les personnes qui ont choisi le bracelet améthyste. L'œil du tigre, dernière petite parenthèse, c'est en lien avec le besoin d'ancrage et une certaine forme de protection et d'abondance. Donc ça pourrait être quelque chose de significatif pour vous, cette notion d'ancrage et d'abondance. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le bracelet d'améthyste, nous sommes partis. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que là on veut vous transmettre? L'amour, c'est plutôt joli. En plus, c'est plutôt raccord, hein, dans les mêmes coloris. Donc là, on nous parle vraiment, je pense, déjà d'amour de soi. Évidemment, c'est la base de tout. De pouvoir travailler sur votre chakra du cœur. Donc peut-être travailler le vœu d'obéissance, révoquer votre vœu, pardon, de célibat. Peut-être aussi le vœu d'obéissance, d'ailleurs. Si je dis ça, c'est peut-être par hasard. Donc vœu d'obéissance et vœu de célibat. Pour vous libérer, j'ai l'impression que vous, on va plus me diriger vers quelque chose au niveau sentimental ou au niveau familial. En tout cas, là, il est plus question d'ordre, de quelque chose d'émotionnel, de votre vie émotionnelle. Eh oui, c'est ce que je vous disais. On est sur quelque chose d'émotionnel ici, où on vous invite vraiment très clairement à... J'ai envie de dire, vous avez besoin de recueillement, de temps pour vous, d'être dans votre petit sanctuaire, de créer la paix dans votre foyer, de vous sentir bien dans votre lieu de vie. Là, c'est comme si vous étiez encore en gestation, vous. Ça n'a rien à voir avec les énergies du premier groupe, c'est très intéressant du coup, parce que là, ça n'a rien à voir. Là, on vous dit vraiment que les choses se font en gestation. Si vous n'avez pas encore trouvé l'appartement ou la maison de vos rêves, enfin le logement de vos rêves, ne désespérez pas, vous avez encore des choses à vivre et vous allez y arriver. On nous parle ici aussi d'être très connecté aux énergies lunaires, donc vous pourriez bénéficier à faire vos énergies, vos rédactions des vœux lunaires. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui est en barre d'infos si ça vous intéresse. Utilisez pleinement le pouvoir de la lune, utilisez pleinement votre capacité aussi d'être un émetteur, d'être les capacités émettrices du yin, avec cette notion de pouvoir porter en vous quelque chose et de pouvoir l'amener à maturation. Et avec la paix ici, l'œuf, pour moi c'est vraiment cette notion de pouvoir, entre guillemets, faire la paix avec vous-même et peut-être aussi de pouvoir apaiser des relations conflictuelles dans votre famille ou dans votre environnement. Il y a beaucoup de douceur ici, donc je pense que vous gagneriez à vraiment prendre soin de vous, à vous occuper de votre corps, à honorer votre corps, à bien manger, à faire vraiment des activités qui vous permettent d'être presque dans un état méditatif, d'être vraiment en paix avec vous-même en fait. Ok. Qu'est-ce que les ancêtres là-haut, qu'est-ce qu'on peut vous confier comme message? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire ici? C'est ça, il y a quelque chose qui est encore inachevé, qui n'est pas fini. Vous n'avez pas encore complètement, pleinement clôturé un cycle qu'il faut que vous finissiez. Et là, le danger pourrait être de vouloir essayer de chasser plusieurs lièvres à la fois, entre guillemets. De vouloir aller dans plusieurs directions en même temps. Là, on ne vous le recommande pas. Au contraire, on vous dit rester centré et focalisé sur une chose et aller jusqu'au bout. Vous, j'ai l'impression que vos ancêtres, enfin là-haut, on a envie de vous donner, on a envie de vous aider. Donc soyez réceptifs et réceptifs à ce que la vie pourrait vous envoyer au travers de personnes, de rencontres fortuites, peut-être d'opportunités au niveau professionnel, c'est possible. Et aussi, il va y avoir des communications, peut-être que vous allez prendre contact ou reprendre contact, je n'arrive pas à parler, avec des gens qui vont vous apporter des informations utiles pour justement pouvoir gérer au mieux cette phase de transition où vous êtes encore en hibernation ici. On a envie de vous aider, vous. Là où ils ont vraiment envie de vous aider, vous, on a envie de vous accompagner. Alors, attention, j'ai dit accompagner, pas assister. Mais il y a une idée ici de vouloir vous aider à pouvoir justement... Il y a une notion peut-être pour les femmes qui me regarderaient de plus justement s'autoriser à être vraiment dans son féminin. C'est-à-dire que de vraiment pleinement revendiquer les attributs de vous en tant que femme, si vous êtes une femme par exemple. Il y a une notion ici de pouvoir en fait vous autoriser à prendre ce que la vie aura à vous offrir. Il n'y a pas vraiment de contrepartie ici. On vous demande juste d'accepter ce que les cadeaux de la vie en fait. Hein. «
Il y a une idée de beaucoup de communiquer, d'être peut-être que vous êtes quelqu'un qui bossait dans un milieu où justement vous êtes très en lien avec les gens, où vous êtes dans quelque chose de social, où vous échangez beaucoup. Je sens des personnes ici qui parlent ou qui sont en contact très 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 intense et très soutenu avec leur entourage ou des gens pour le travail. Donc là, on dit vraiment la communication est un des axes clés et la vie va vous transmettre des messages peut-être à travers des personnes que vous allez rencontrer. Et il y a vraiment une notion ici de pouvoir récolter. Donc pour moi, le 10 de denier, c'est on vous dit peut-être que dans d'autres vies ou que vous avez des ancêtres qui justement ont beaucoup eu, ont pu profiter d'une certaine forme de confort et veulent que vous puissiez en profiter aussi. Livre. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, de façon plus globale, on nous dit aussi qu'on pourrait vous transmettre des messages à travers des lectures ou des podcasts ou en tout cas voilà des sources d'informations sur lesquelles vous pourriez tomber en fait hein, durant les prochains mois. Oh là là, maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Pour certains, bon bah vu qu'il nous dit ça, il y a peut-être une notion que vous êtes des gens justement qui sont très en axé développement personnel et qui ont des capacités et de pouvoir être des bons orateurs. Ah oui, c'est ça peut-être. De pouvoir bien s'exprimer, d'être très bon en communication et du coup, tu pourras vraiment développer vos capacités dans ce domaine. Pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc il y a vraiment une notion ici peut-être d'un renouveau. L'empereur est quelqu'un qui sait qui il est, qui a aussi une bonne maîtrise de lui. Donc ça pourrait aussi nous signifier que voilà, il y a quelque chose de l'ordre de pouvoir vous développer et surtout vous épanouir dans une carrière apparemment. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis plusieurs vies, si vous croyez à ces choses-là. C'est pas la première fois que vous vous retrouvez à vouloir être dans le développement personnel ou à être dans une activité qui est vraiment dans le soin et l'aide à l'autre, comme même kiné, ostéo, des gens qui veulent vraiment, qui sont dans des métiers très, on va dire, dans le soin, dans le fait de vouloir aider les autres, dans des métiers curatifs, on pourrait dire. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Et comme toujours, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages. De partout. Et pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, on va voir qu'est-ce que sont les messages pour vous de là-haut. La persévérance. Ok. Donc vous, on vous dit très clairement, ne lâchez rien. Si vous avez des projets, si vous avez envie de lancer une activité, de vous mettre à votre compte, de vraiment vouloir vous donner les moyens de pouvoir évoluer dans une relation peut-être sentimentale ou d'améliorer des relations actuelles avec vos proches, on vous dit surtout restez très diligent, faites les choses de façon vraiment progressive et autorisez-vous aussi parfois honorer vos propres limites. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui sort pour vous, c'est si c'est tout ce que vous pouvez faire actuellement, que vous ne pouvez pas faire plus et que vous êtes limité, soit par des blocages intérieurs, soit par des problèmes, des choses extérieures qui sont en dehors de votre contrôle, on vous dit lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et continuez à focaliser et à avancer en avançant petit par petit pas et en évoluant dans ce que vous pouvez faire à votre niveau ici. Ouais, entre deux mondes. Le pouvoir supérieur. Imagination. Ça pourrait aussi nous parler ici que quelles que soient vos problématiques actuelles ou vos blocages actuels, il va falloir avoir une approche en fait un petit peu plus créative et faire preuve d'imagination. C'est-à-dire que la solution n'est pas une solution toute faite. J'ai l'impression que si vous avez des soucis, notamment au niveau peut-être relationnel, il y a vraiment quelque chose qui est à développer ou à creuser, mais en sortant des sentiers battus, en vous autorisant à vivre autre chose, à être dans une autre énergie, à pouvoir aussi quelque part arrêter.
arrêter de nourrir les vieilles croyances qui vous font croire que ce que vous désirez n'est pas accessible et que vous ne pourrez jamais l'avoir, parce que si vous vous dites que je pourrais jamais l'avoir, vous ne l'aurez jamais, hein. Donc là, il y a vraiment une notion de pouvoir se positionner de façon plus juste, en ayant une approche beaucoup plus saine et beaucoup plus globale de ce que vous vivez. Donc vous, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de on doit revoir les pensées limitantes et on doit les remplacer. Et là, vous pouvez vraiment faire appel à la vie, à Dieu, à vos guides, à ce en quoi vous croyez. J'ai fait d'ailleurs j'ai fait sur le site un pack de reprogrammation subconsciente qui pourrait peut-être résonner avec vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Là, on vous demande vraiment de reprogrammer le subconscient. Et j'ai l'impression pour vous qu'on vous dit là-haut, voyez plus grand, autorisez-vous à rêver. Il n'y a pas de limite en fait, il y a juste les limites que vous vous imposez. Et j'ai l'impression que vous avez bien tout cloisonné, tout clôturé, tout est bien... Et presque vous étouffez là-dedans, c'est devenu un cadre trop restreint pour vous. Là, on vous demande de laisser un peu les choses s'aérer et de vous autoriser à voir plus grand, quoi. Ok. Je vais boire un peu. C'est comme si, c'est un peu, j'ai l'impression, Cendrillon, si vous voyez comme une souillon, alors qu'en fait, vous pourriez très bien être voilà, une magnifique princesse qui pourrait avoir une vie beaucoup plus confortable, mais vous, peut-être que vous pensez que ce n'est pas du tout à votre... Peut-être que c'est un héritage aussi familial, du coup, si vous venez d'un schéma de pensée où voilà, tout ce que l'on peut avoir, on l'a que à la force du poignet, à la sueur de notre front, bah, c'est sûr que vous n'allez pas forcément vous simplifier la vie vers une abondance ou un confort de vie, par exemple. Vous allez avoir tendance à vous restreindre, à vouloir faire petit, à pas vouloir prendre trop de place. Donc là, on vous propose vraiment de vous autoriser à vous épanouir et à vous expandre aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Ouais, le monde. Prendre votre place et réclamer ce qui vous est dû, en fait. Voilà. Et on termine là le tirage sur l'as de coupe. Donc, vous, on vous dit réellement... Tout est possible à condition que vous vous donniez vraiment les moyens de le faire. Alors, ça peut paraître un peu gnangnan et un petit peu stéréotypé, ce que je dis, mais de toute façon, la limite, elle est là où vous la posez, en fait. J'espère que ça marche. Oui, la limite, elle est là où vous la posez. Donc, plus vous aurez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est pas à votre portée, ou ça pourrait être même dans le cadre sentimental de vous dire « Non, cette personne est trop bien pour moi, elle ne voudrait jamais de moi, elle ne va jamais me regarder, daigner me regarder, j'ai aucune chance. » Si vous pensez ça, évidemment que vous vous programmez à des échecs. Là, on vous dit vraiment qu'il y a une ouverture qui va s'opérer incessamment sous peu, qui va en fait réveiller quelque chose en vous, vraiment au niveau émotionnel, et qui va vous permettre de pouvoir justement être dans une envie de partager et de co-créer et de co-création avec les autres. Et on vous invite très fortement à le faire. Donc, si vous avez des projets, des envies, ou que vous avez envie de vous rapprocher d'une personne, là, on vous dit que vous êtes appuyer dans ce sens et qu'il est temps de vous autoriser à dépasser votre condition actuelle et vous dire que les problèmes que vous avez sont vraiment au final très petits comparés à tout le potentiel de réalisation qui est en vous et qui ne demande qu'à être exploité. Donc je pense que c'est au contact peut-être de certaines personnes ou d'une rencontre bien spécifique que vous allez pouvoir développer et débloquer ce potentiel qui est encore un peu dormant, où vous n'êtes pas vraiment sûr de vous et vous êtes un peu encore indécis par rapport à la meilleure voie à prendre en fait, hein. Ah, on vous parle de vous purifier, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors, j'ai pas vraiment vu pour tout vous dire la toxicité, mais si ça nous ressort et si ça, peut-être qu'un nettoyage énergétique pourrait vous faire le plus grand bien en cette période de transition du coup automnale. Donc, je propose ça si ça vous intéresse de regarder. Sinon, vous pouvez très bien le faire par vous-même avec des techniques qu'on peut trouver voilà, en cherchant un petit peu sur YouTube ou dans des livres, hein, des purifications énergétiques. Mais là, on vous dit qu'effectivement, alors peut-être, ce qui vous colle à la peau, ce qui vous pèse, c'est peut-être des bribes, des espèces de scories énergétiques qui vous collent à la peau, dont il faudrait se débarrasser.
écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Là, je pense, alors c'est pas forcément une majorité, mais pour les personnes qui aiment écrire, on vous dit que de pouvoir avoir un journal peut-être de bord, un carnet de bord, ça pourrait vraiment vous aider à faire cette transition et à pouvoir remettre en question certaines de vos croyances limitantes. Pour d'autres, on pourrait nous insister sur le fait que vous pourriez grandement bénéficier de l'écriture pour pouvoir faire par exemple des rituels pour la nouvelle lune et la pleine lune, de pouvoir écrire vos vœux lunaires et de pouvoir justement tirer profit de ça. En tout cas, l'écriture est quelque chose qui a l'air d'être central dans votre vie, même si, ou la lecture, mais là on nous parle quand même plus de l'écriture. Et vous voyez, là les guides, la personne est guidée pour écrire. Et ben là c'est ça, vous allez être guidé pour créer et faire des choses et participer peut-être à des projets ou à des événements. Donc suivez votre intuition et ne vous sabrez pas, ne vous auto-sabotez pas, ne vous limitez pas. Laissez l'énergie et laissez l'inspiration vous traverser quand elle vient. Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.